Un célèbre explorateur a dit un jour « Les choses extraordinaires dépendent de nos actes, pas de qui nous sommes. » J'avais enfin décidé de partir faire mes preuves, pour chercher l'aventure. Mais à la place, c'est l'aventure qui m'a trouvée. Dans les instants les plus sombres, quand votre vie vous abandonne, il y a toujours quelque chose. Quelque chose qui vous maintient en vie. Quelque chose qui vous pousse à avancer. Eh bien bonjour à tous, c'est Jessoli, j'espère que vous allez bien aujourd'hui, en tout cas moi ça roule. Alors on se retrouve sur le nouveau Tomb Raider, petite cinématique de départ qui commence super fort. Donc je sais pas si ça continue ou si ça va être à moi de jouer, j'en ai aucune idée. On va regarder ça ensemble. En tout cas ça a l'air super super joli. Ok. Elle est toute belle notre Lara. Toute belle. Ouf. Merde. Ça commence bien. Alors il paraît que c'est une aventure où elle s'en prend un peu plein la tronche. Pour ceux qui ne savent pas où se situerait... Attendez, qu'est-ce que c'est que ça? Où se situerait ce Tomb Raider? En fait, c'est entre guillemets le dernier opus, mais ça se passe avant les autres. Donc c'est la naissance du mythe, on va dire ça comme ça. Alors, qu'est-ce qui se passe? Ok. Bon, je sais toujours rien faire. C'est quoi ce truc? Cristal dynamique. Ouf! Elle a la tête à l'envers. Elle a l'air apeurée. En tout cas, les graphismes sont plutôt pas mal. Ah ouais, ouais, ouais. Franchement joli. Alors, qu'est-ce qui se passe? Pourquoi est-ce que je suis attaché comme ça? Ok. Alors, se balancer, maintenez... Ok. Ok, ok. Allez, on se balance. À mon avis, il faut taper dans le truc là. Je sais pas c'est quoi. Ah d'accord, ça brûle. Ouh! Merde. Ok. On va se balancer dans l'autre sens. Ok, je pense qu'il faut aller toucher les flammes là à gauche. Quand ça sera un peu plus calme, je regarderai si les sous-titres sont activés pour que vous compreniez exactement tout. Je suis pas sûr. Ça n'a pas été affiché en début de partie. Voilà. Go, 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 go. Ouh, ça va faire super mal. Elle vient de le dire. Je sais pas si vous l'avez entendu. Si le son est bien réglé, normalement, oui. Ok, petite cinématique. Ouh, ça va faire mal, ça. Aïe. Aïe, j'ai mal pour elle, la pauvre. Allez, on l'enlève. Allez, vas-y, 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 vas-y. Oh, dégueu. Alors, comme je vous disais en début de ce petit gameplay, bon, excusez-moi, je suis un peu tout foufou parce que moi et les Tomb Raider, c'est une grande histoire d'amour. Oula, elle a morflé. Donc, je vais d'abord faire ce que j'ai dit. On va aller dans option de jeu. Non, c'est pas ça.
Je vais vous mettre les sous-titres. Comme ça, si jamais il y a un problème. Alors, sous-titres, voilà. Oui. Alors, je vous mets les sous-titres, comme ça, vous, même si vous n'entendez pas tout à fait bien le son du jeu, vous allez comprendre exactement l'aventure. Alors, comme je vous dis, je suis un peu tout foufou, parce que moi, et les Tomb Raider, c'est une grande histoire d'amour. J'ai toujours kiffé le personnage. Il y a ma manette qui vibre, mais alors là, vous ne pouvez pas savoir à quel point. Donc, le jeu vient de sortir aujourd'hui. J'ai été le chercher direct. Ouh. Et comme je vous disais, donc c'est une jeune Lara, c'est pas la Lara que vous connaissez, c'est une jeune. Enfin, c'est toujours la même, hein, c'est pas ça que je veux dire. Mais c'est la jeune Lara, elle est toujours pas aventurée. Oh mon dieu. Ok. C'est quoi ça? Où est-ce que je suis tombé, moi? En tout cas, les graphismes sont superbes. Je sais pas ce que vous en pensez, il y a des sacs à cadavres un peu partout. C'est quoi ça? Regardez comme elle est super bien faite. Il y a des petits effets de lumière, c'est magnifique, franchement magnifique. Bon, elle s'est encore... Oh, j'ai appuyé sur la croix et c'est devenu tout gris. Mais pourquoi, je sais pas. Alors, pour ceux qui seraient intéressés, c'est la version édition Combat Strike. Alors, il y avait des petits bonus téléchargeables avec... Ouais, sympa. Avec... je vais vous le dire, tiens, pendant que je regarde le papier pour vous dire exactement c'est quoi les bonus, comme ça vous le savez. Alors, on avait le pistolet silencieux, on a des rafales de pistolet, donc les rafales de pistolet, ça déclenche une rafale de 3 tirs sur les ennemis de Lara. On a le réticule de tir à la tête, donc permet à Lara d'utiliser ses armes plus précisément. Et on a l'aptitude instinct animal, permet de déceler les animaux à fort potentiel XP avec le mode instinct de survie. Alors, vous dire à quoi ça sert pour le moment, je n'en sais rien. On verra ça un peu plus loin dans l'aventure. De toute façon, je compte torcher ce jeu, mais alors là, d'une force, mais ça va être inimaginable. C'est quoi ça? Une torche, elle a dit une torche. J'ai rêvé? Ok, on prend la torche. Allez, quoi, je vais mettre le son un peu plus fort. Après, je serai lancé. Je vous embêterai plus avec mes petits problèmes audio. Voilà. J'ai entendu du bruit. Alors, mettre le feu à ça. Ah, oh, ça l'a pas fait. Ok, il fallait remplir le petit emblème. Elle est superbe en tout cas, franchement superbe. Enfin bon, elle est dans un état catastrophique, mais elle est vraiment belle. J'ai toujours kiffé Lara Croft. Je crois que j'ai torché absolument tous les Lara, tous les Tomb Raider, en partant du premier qui était sur PS2. Qui ça? Qui c'est qui a dû t'entendre, ma fifi? Ok, on va se casser par là. Ouh, superbe. Alors, instinct de survie, appuyez sur le 2 pour examiner votre environnement. L2. Ok. Ça avait fait la même chose quand j'avais appuyé sur la croix. Appuyez sur X pour sauter et vous accrochez à une corniche. Ok. Alors, on va voir s'il n'y a rien d'autre à ramasser. J'ai vraiment envie de profiter de ce jeu. Ah, ici, il y a un truc. Voilà, on la rallume. Ok. À mon avis, il faut que je fasse péter ça. Non. Ah, ici, peut-être. Alors. Ouais. Oh, il y a un de ces bruits. J'espère que vous allez bien entendre le bruit, parce que c'est... franchement splendide. Alors on fait brûler ça. Ouh, ça va exploser. À mon avis, ça va exploser. Ça va être pas mal. Ouh, joli. Oh, c'est superbe. Je crois que je vais me prendre dans l'aventure, mais très rapidement, ça va être génial. Alors, elle s'abaisse tout seule, génial. Ouh, c'est quoi ça? Elle t'appuie dans la gueule. Voilà, c'est fait. Ouh, ça va, on est libre. Ok. Faut que j'avance, allez, on avance. C'est tous les squelettes, les têtes de bœuf, on dirait. Allez, l'effet caméra est vraiment, vraiment, vraiment pas mal. Oh, c'est superbe. Je sais pas, mais j'ai encore jamais vécu ça dans un jeu. L'espèce de confinement comme ça. Faut pas être claustro.
C'est superbe. Allez, on continue. Alors, une volonté de fer, trouver une sortie. Ok. La torche va de nouveau s'éteindre. C'est quoi ce capharnaüm? Alors, balise d'objectif, appuyez sur LD pour mettre les balises d'objectif en vue. Ok. Ah, il faudra faire... Oh, c'est des mines! Ok, il faudra trouver un moyen pour faire exploser les mines. Je crois que quand ça, ça va exploser, ça va pas être triste. Alors, on va par là. Pourquoi est-ce que tu veux pas monter? Peut-être par là. Du feu. Ok, on va allumer la torche. Go! Donc, je sais pas passer par là. Parce qu'il y a une petite cascade. Je crois que le jeu va être pas mal basé sur le feu. Là, il y a un truc à brûler. Là, go! On dirait une cage à requins. Ouais, c'est une cage à requins. Ah, il y en a encore un là. Eh, mais je sais pas ce que vous en pensez, mais les graphismes sont vraiment, vraiment jolis. Alors, on a attendu quelques années pour avoir un nouvel opus de ce Tomb Raider. Mais franchement, on est... Jusqu'à maintenant, je suis pas... Ah, il y en a encore un deuxième là. Je suis franchement pas déçu. Allez, go! Ah, j'ai hâte d'aller plus loin. C'est incroyable. Ça fait longtemps que j'ai pu être... entre guillemets, content d'avoir un nouveau jeu. Et celui-ci va me changer complètement. C'est génial. Alors, triangle. Ok. Hein? Pourquoi est-ce qu'il se remet? On recommence encore un coup pour voir. Mais pourquoi est-ce qu'il se remet tout seul? Ok, c'est pas ça. On repart en arrière. Instinct de survie. Ah ouais, instinct de survie. Faut pas que j'oublie ça. Ok. Ah là, on peut-être sauter, peut-être. On va faire un test là. Ouais. À mon avis, on sait sauter. J'espère, parce que sinon, je vais me ramasser un de ces gades. Hein. Génial. Bon, ça. Ah d'accord, ça a rempli le... La cage... Ok, donc on peut descendre. Voilà, et on y retourne. À gogo. Voilà. Et on va aller faire ça. Oh zut, je suis con, j'ai oublié d'allumer. Je peux recommencer. Il était marqué d'allumer, j'ai pas allumé. Bon, allez, on recommence. Ah oui, c'est là. Voilà. Hop là. Et vas-y, ma poule. Hein? Génial, elle peut sauter direct. Alors on allume. Voilà. Go et on pousse. Voilà, bingo, ça va exploser. Allez, planque-toi. Ouais, bien. Alors, j'espère que ça vous fait plaisir qu'on trouve un nouveau let's play. Ouh, ça va, tout va exploser, je le sens bien. Que ce soit un nouveau let's play sur ma chaîne. En tout cas, moi, ça me fait super plaisir de changer de jeu. Même si je sais que je suis loin... Ouh, j'ai bien fait tourner à droite. Je suis loin d'avoir fini Far Cry. Mais comme je vous dis, un Far Cry, ça va rester assez... Ouh. On s'est la dirigé, toi. Non, prends pas les picots. Ah ouais, là, je n'avais pas fait autrement. On se casse. Allez, go. Par où? Saute! Ouais, saute. Encore. Saute! Allez, bingo! Saute! Ah, c'est pas mal. En tout cas, la maniabilité est superbe. Ouh. Encore! Non, tu vas te prendre un coup de genou. J'ai loupé. Et merde. Je ne m'attendais pas à ça. Ok, donc ça va jouer avec des petits passages comme ça. C'est dommage, je m'y attendais pas. Et comme j'étais avec ma main droite sur le joystick, je m'y attendais pas. Donc il faut faire un peu...
Mais non! Non, je l'ai appuyé, j'ai appuyé, je vous jure, j'ai appuyé. Bon, ça fait déjà deux fois que je tue notre pauvre Flara. Ok, ok, allez, on va se concentrer. Allez, on y va. Quand le chance, on recommence pas loin. On va déjà appuyer sur le truc. Oui, bingo. Oh, bah c'est lui qui a pris. Magnifique. Il va plus nous embêter, lui. Allez, go. Et saute. Joli. Non, 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 remonte, 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 remonte. Voilà. Ok. Ok, on appuie en symbiose. Allez, vas-y, 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 jusqu'à la lumière. Ouh, joli, l'esquive de la mort. Bon, ça. Allez, on remonte. À mon avis, encore en avoir d'autres. Hop. Ouh, joli. Bravo, Jess. Allez, go. Allez, fallait tes petites fesses. Monte, 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 monte. Ouais, c'est bon, c'est bon, c'est bon. Ouais, bingo.